pour ça qu'on y va tout de suite. Allez, hop. Un voisin? Ah oui. C'est même pas un voisin, je connais même pas. Vous le connaissez, vous? Moi, je connais tout le monde ici, par leur nom alphabétique. C'est ma mère qui me l'a appris. A comme Azari, B comme Bachet, S comme Céleste, comme Framinet. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu vas pas me faire tout l'alphabet? Il habite pas là. 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 Vous pouvez pas laisser tranquille? J'habite où je veux. Je suis venu voir quelqu'un de ma famille. Voilà, non. Vous savez tout. Bon, ça va. Maintenant, vous savez tout, vous pouvez partir. C'est qui que tu viens voir? Mais lâche-moi, toi, ça te regarde pas. Ça y est, j'ai trouvé, tu veux voir portier. Comme portier, il veut jamais parler à personne comme ça. Voilà, c'est ça, je vais voir portier. Voilà, t'as trouvé, ça, maintenant tu te casses. Oh, le menteur! Oh, le menteur! Votre père, il vous a jamais appris à pas parler aux étrangers? Ça peut être très dangereux. Foutez le camp, bordel. Personne en bas, à l'étage, allez, monte. Allez.
Les trains qu'on fera pas prendre à Louis. Marchand, je suis avec toi. C'est moi. J'ai réglé son compte à Francis. Sur mes filles, toi? Ah non, non, je les ai pas tapées, elles ont un peu exagéré. Bien sûr. Elles pleurent parce que ça les fait marrer et puis après elles mentent. C'est ça? J'ai pas dit ça. C'est plutôt une sorte de jeu. Oh, le menteur. Et ça t'arrive souvent de jouer à taper les enfants? Mais je les ai pas tapées, je vous dis. Dites-lui, vous, ce qui s'est passé. C'est vrai, il m'a tapé, il m'a fait tomber. C'est vrai. Bon, allez, rentrez à la maison, les filles. Elle est vraiment morte. La connaissant. Ah, tu fais plus le malin maintenant, hein. Tu te crois fort à taper sur des gamins, mais quand il y a quelqu'un en face de toi, là, il n'y a plus personne. Je m'excuse. Mais faut pas s'excuser, faut pas taper, c'est tout. Bah, moi, j'ai pas tapé, et puis en plus, je m'excuse, alors, c'est bon. T'as pas tapé, tu t'excuses quand même. T'es une fiotte, alors. Voilà, mais d'ailleurs, on me le dit souvent, ça. T'es une fiotte, ça, on me le dit pas. Vous l'avez eu, le type qui était avec moi? Oh, on a vu personne. Y'a qui devant? Monsieur. Sans armes. Fait le guetteur. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont les sortis. Allez, on y va. Non, je vais laver la figure de Victor. Prends-moi mon arme. Et après, t'auras quoi de plus? Bah après, j'aurai un répondeur. Ma femme en a envie depuis longtemps. Bah écoute, je comprends pas tout, mais ça a l'air bien. C'est quoi ton parfum déjà? Vétiver de Guerlain. Mais je vais en l'acheter. Comme ça, quand elle se réveillera, elle dira c'est qui ce type qui a tellement changé qu'il a même plus la même odeur? En même temps, je suis pas sûr que j'en ai besoin. Parce que ça se voit que j'ai changé, hein? Ça crève les yeux, hein? Ouais. Tout a changé. Ouais. Ah! Je suis un sale con et une vraie fiotte. Et je fais dans mon froc. Et je fais dans mon froc. Et en plus, je suis moche. Ça sert à rien de prendre une cassette de 3 heures pour un programme d'une heure. Hein? Non? Eh ben non, ça sert à... Je te laisse, là. Victor! C'est moi. On a eu Marchand. Francis veut que tu viennes. Ah ouais? Qu'est-ce que j'en sais, moi, si Francis veut que je vienne?
Qu'est-ce que j'en sais si t'as pas marchand collé à toi, hein? Bon, je vais sortir. Tu déconnes pas, hein? Je suis tout seul. Je sors, hein? Ferme la porte derrière toi. Alors? Qu'est-ce qu'il me veut, Francis? J'en sais rien, moi. Il m'a dit de rester ici. Y a que lui qui me fera bouger. T'as qu'à l'appeler si tu me crois pas. T'as mon portable. Appelle-le. Bah ouais. Je vais faire ça. Je vais l'appeler. Oh, mon Dieu, bon Dieu, je vais encore me faire engueuler par Francis. Merci, Victor. Te laver la figure. Je crois que je me suis bien acheté là. Le feu en euros ! Il y a encore le feu en euros ! Hélène ! Allez, Tomila. Écoute, Hélène, là, j'ai fait ce que j'ai pu. Faut que tu te lèves. J'ai même pensé à Salomé si c'est une fille. Hein ? Ça ira bien avec le soleil. Parce que là, il faut qu'on parte dans le sud. Tiens, ça, ça ne servira plus à rien non plus. Allez, viens, Hélène. Viens. Il est mis où, mon Tamagotchi ? Écoute, je l'ai pas sur moi. Tu me tues, tu seras jamais oulé. Je vais compter jusqu'à 3. Puis après, c'est elle que je vais shooter. 1. Va te mettre contre le placard. Va te mettre contre le placard! Enculé, va! D'abord ta femme en guacamole. Quand je me fais livrer une pizza, je prends toujours du guacamole avant. Ça, je veux que tu le vois. T'as pas le temps, t'es trop loin! C'est toi qui m'as appris. Tu crois que j'ai la situation bien en main, là? Faut que tu vois ça, ça va être vraiment beau. T'as vu comme j'ai changé? Bah tout va changer pareil. Tu vois les 3 barils derrière? À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour changer de vie. Je suis plus le même, tu sais. Même Louis. Il m'a dit que ça crevait les yeux. Dis-moi que tu veux bien. S'il te plaît. Je sais pas. Vous êtes qui, vous? Vous êtes...